Allez, bonjour tout le monde. Voilà, la mise en place est faite. On est bien. On est tranquille. Alors, où en étions-nous? On en était à Tesla quand même. On était en train de se faire du coup le repère de la team Steam. Voici la team actuellement. Zeus, toujours vaillant, toujours aussi puissant. Heureusement pour nous, parce qu'il nous a sauvé de bien des situations. On a le Charcos. Alors, on va quand même peut-être se faire le petit résumé de la team de cette manière-là, ce sera mieux. Du coup, le petit Zeus, toujours aussi bourrin, toujours aussi bon. Charcos, qui en attaque va nous faire d'énormes dégâts. Le problème, c'est sa vitesse à Charcos, en fait. Si la vive griffe était pas buggée, je pense que ça serait un monstre. Le Zoruark, que j'aime beaucoup également. Hop, notre ananas numéro 2, et oui, malheureusement. En fait, ça serait plutôt le numéro 475, mais c'est pas grave ça. Ceci est un détail. Avec le talent Impudence, moi j'aime beaucoup le talent Impudence parce que l'augmentation de l'attaque à chaque fois, c'est quand même assez bourrin. Dairizi, du coup, toujours vaillante, toujours présente également, on est bien. Et enfin, le Kefera numéro 4. 4 déjà, putain. Allez, on y retourne. On était en train de se farcir le repère de la team Steam et tout. Donc on va y aller, on va se le faire. Hein. On a déjà fait un des 4 boss. Il en reste plus que 3 avant de se farcir l'énorme gros boss après. Hop là, le son est joué un peu fort. On va le diminuer. Voilà. Ouais. Encore 3 micro-boss. Il faut qu'on se refasse Giovanni. Il faut qu'on refasse Max. Et il faut qu'on refasse, comment il s'appelle, Arthur. Parce qu'on a déjà fait Helios. On a fait en haut à gauche. Maintenant on va faire en haut à droite hein. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, Team Rocket. Aïe aïe aïe. Team Rocket, qu'est-ce que ça va m'envoyer surtout? Est-ce que j'ai mis des attaques correctes? J'ai anti-air, seism, aéropic. Parce que je le mettrais bien un petit peu pour l'augmenter, Kefferan, mais j'ai peur du résultat et qu'il se fasse shooter en fait. Bon, pas grave. Pour l'instant, on va laisser Zeus. Quand même super efficace, Zeus, on va pas se mentir. Voilà, surtout quand il y a des petits trucs comme ça à shooter. Hop là, un petit vampipoint. Ouais, ça va aller, ça devrait aller vite les rats attaquants. Hein. J'avoue que je pensais que ça serait plutôt des Nosferalto, trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai laissé Kefferan, mais. Ah bah voilà. Suffisait de le demander, visiblement. Allez hop. Quoi? D'où ça tue pas? Allez, l'anti-air, normalement il va faire bien mal par contre. Crache-toi au sol. Ça fait pas assez mal encore. Hein. Après, il est que niveau 52, il faut réussir à l'augmenter un peu plus. Match Chopper. Est-ce que je me ferais pas un atterrissage avant? Non, c'était une stupide idée. C'était une idée stupide. Ben oui, c'était une idée stupide, mais qu'il est. Ah, j'en ai marre de moi! Putain. Oh là là, la perte du premier Pokémon à la première minute. Tout va bien. Ouais, une minute, un Pokémon. Kefferan, il va se demander si je le déteste pas. Hein. Salut Mister, salut Bazara, salut Steam Farrer. Ah, je te jure, vas-y, faut que j'aille déjà en chercher un nouveau Kefferan, quoi. Mon Ptera, il s'est fait défoncer tellement vite. Bon, allez, c'est pas grave, on peut faire le reste sans lui. Faut juste que j'arrête d'être stupide en fait. Vas-y.
sur le poison, on va envoyer Charcos. Comme ça, il fait un séisme. Quoi? Comment ça, ça rate? Il contre-attaque combien d'attaques là? Voilà. Charcos, je le pensais plus apte à combattre que ça aussi, c'est fou! Nos Pokémon sont vraiment pas bons pour l'instant. J'ai l'impression que le niveau augmente un peu trop vite. Allez, point éclair. Alors en fait, il y a Zeus et après il y a le reste. Ok. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, saloperie de Roboc. Voilà, pour éviter les attaques de type poison, on va faire ça. Ensuite, une petite cruelle, ça devrait... Comment ça, il va plus vite? Ouais, je le sais, de toute façon j'ai deux Pokémon sur lesquels je peux compter en fait. Faut que je m'y fasse. Ouh, le Croc Fatal par contre, ça c'est pas cool. Hop là, et voilà, un de plus. Avec le gros coq, en plus je récupère mes PV. Je vais aller jusqu'au boss et après je vais m'arrêter. Voilà, je suis au boss. C'est quoi? C'est un métallos quand même. Métallos, c'est un souci. Métallos, c'est un vrai souci. Comment je passe un métallos? Il me faudrait du feu, mais j'en ai pas. Ténèbres, mais Zoroark il est en chip. C'est une chip sans... qui va rien faire du tout. Ça va être chaud, hein, parce que Métallos ça passe pas comme ça. Hein. Non, son Pokémon est à gauche là. Métallos, ça se passe pas comme ça. Bon, déjà, on va déposer un mort supplémentaire qui est Kefiran 4. Ça en fait quand même 3 d'affilée qu'on perd. Hein. Et qu'est-ce que je peux me retirer? Qu'est-ce qui pourrait être utile là? En vrai, il n'y a pas vraiment de Pokémon utile. Je pense que je vais prendre Hydreigon quand même. Il a une bonne force brute. Par contre, le problème, c'est ses attaques, elles sont pas terribles. Est-ce qu'on peut pas lui apprendre des trucs sympas?
Il a pas d'attaque cool. Oh là 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 là. Oh, c'est compliqué d'avoir des Pokémon comme ça nuls. Est-ce qu'il n'y a pas une CT peut-être que je pourrais lui mettre? Calcination. Est-ce que quelqu'un peut apprendre calcination dans mon équipe? Eh, Zoroark peut apprendre calcination. Après, il a déjà quand même. Non, il a trop un bon combo. Zeus, calcination. Après, non, colère, c'est trop bien. Bon, c'est pas grave. Genre, séisme, dévorev, ballon, éclat de dos, plénitude. Ouais. Casse-brique, ça aurait pu être bien. En vrai, calcination, ça pourrait être cool, mais j'ai pas de Pokémon pour lui apprendre. Parce que des Pokémon qui tapent sur le spécial. Salut Ananas, ça va? Comme tu vois, tu es toujours vivante. Bah, ça va, hein, c'est la grève comme on dit. J'ai bêtement perdu le Ptera dès le premier combat, mais sinon ça va. Parce que je suis un peu bête sur les bords et que j'ai envoyé un Ptera contre quelque chose qui aurait pas dû. Du coup, j'ai perdu mon Pokémon tout seul. Ouais, bah en même temps, elle est un peu nationale comme grève, hein. Du coup, vu qu'on va affronter le Metalos, je propose de mettre ça comme ça. Et on va mettre, hop là, Ananas en dernier. Parce que voilà, on a déjà fait, du coup, depuis le début, Ananas, on a fait toute la team, là, Rocket, qui était présente ici. Pour aller check quel était le dernier Pokémon, le petit boss, tu te souviens, la semaine dernière c'était un Kangourex qui était au bout surpuissant qui m'attendait. Bah là ça va pas être la même tasse de thé. Parce qu'autant le Kangourex je gère, autant Metalos boosté aux hormones je gère pas du tout. Ah mais vas-y, l'autre il est censé avoir une illusion que c'est un. C'était censé montrer que c'était un Léviator et l'autre il attaque directement comme s'il savait que c'était pas un Léviator. Bon bah Zoroark c'est terminé hein. Il s'est fait défoncer. Ah ouais non mais ça me saoule, vas-y, je perds un Pokémon. Ça fait déjà deux Pokémon depuis le début là, hein, c'est là je sais pas comment faire. En plus c'était les deux types un petit peu originaux de la team. Zeus en premier, hein, de toute façon, pour check, y a que lui. Alors qu'un Lamproie sauvage est apparu dans le chat pour ceux qui essayent de le capturer. Hop là, un petit Poké Catch. À
Ananas, si tu topes ce Pokémon-là, je pète un câble encore une fois. Et ça y est, je me tape Giovanni. Tu ressembles beaucoup à Red. Oh, le compliment! Giovanni qui dit que je ressemble à Red. Ça, c'est un compliment. Merci, Joe. En tant que compétiteur né, je n'ai pas pu digérer cette défaite pour le badge. J'ai créé une équipe dédiée à ma victoire. Ouais, c'est en anglais, Ananas. Hein, donc, si tu veux faire du Pokécatch Gold Ball, voilà, c'est mieux. Mais je savais pas que t'avais une Great Ball, t'en avais acheté une? Bon, Giovanni a un peu une team anti-moi, on va pas se mentir. Parce que là, un 16, mais je suis fini. Voilà. Hop là, c'est ça ce que j'aime. Alors, ah ouais, t'en avais peut-être de. Après, t'en avais peut-être de base en fait. Hein. Voilà, Ananas va faire le taf. Contre une équipe comme Giovanni, il faut Ananas. Et t'as encore chopé le Lamproie, mais t'es sérieuse? T'arrives, tu chopes un Pokémon, mais c'est pas possible. Comment tu fais? Ouh là 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 là. Oh non, j'ai raté le... Non, Ananas! Non! Non! Fuck. Bah, demande-lui, hein. Ça commence à être complicado. Bon, après Ananas, on pourra aller en chercher un autre. Il faut passer de Giovanni et je pourrais aller en chercher chercher un remplaçant. Parce que le problème, voilà, il est là. Allez, en espérant que ça passe. En espérant que ça passe. Faut pas que Mewtwo il attaque avant. Non. Ouh là là, il m'a raté. Oui. Au revoir Mewtwo. Oh, ce shot. Allez, bim. On n'en parle plus. Giovanni, c'est fait. J'ai juste perdu les trois quarts de mon équipe, mais c'est fait. Oh la vache, bon. La génération actuelle est bien plus forte que la mienne, c'est incontestable. Malheureusement, le combat ne fait pas tout. Il m'a répondu que j'avais signé une diplôme dans une Pokéball. C'est vrai qu'il a quand même tué 10 policiers en mode sang-froid, tranquille. J'aime bien parce que Giovanni, au final, il attend juste que l'autre, que son boss récupère le Koryos, l'énorme Pokémon surpuissant, pour en fait lui voler et le défoncer. Bon, allez hop, ça c'est pris, ça c'est pris. Allez, 3 Pokémon morts en plus. Oui, on en est à 4. C'est bien, le live il a commencé depuis tellement longtemps, on pouvait se permettre d'avoir autant de morts. Je te jure, la boîte elle est tellement remplie, c'est abusé. Je sais pas ce que fait Dairizy, elle m'a dit j'arrive, mais elle est pas là.
En vrai, je suis en train de me dire, je vais pas prendre plus de Pokémon, je vais faire les combats avec 4 Pokémon un peu bourrins et puis. Et puis ça suffira comme ça. Hein. On va aller à River, on va rechoper encore un Fewtwo Magikarp. On récupère des baies au passage. Ah, le premier Magikarp qui m'échappe déjà parce que j'ai pas commencé du bon côté. Ok, et de 1. 2. Comment ça, foutu ananas? Ok, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il reste 20 secondes pour en avoir 5, 4, 3, 2, 1. Il est où? Il est là. Non, il va sauter là. Non, il m'a échappé. Non, non, non. Il est où? Il est où? Ouf! Ah, oh, c'était juste. Bienvenue Ananas 3. Talent glissade. Bon, c'est pas le meilleur des talents, mais c'est pas grave. Hop là. Bon, on va peut-être pas envoyer Ananas 3 au combat tout de suite par contre. Alors, est-ce que... Pourquoi je suis revenu dans ma ville de départ, moi? Bon, on en a fait 2 sur 4 des repères. La question va être quel va être le prochain. Allez. Oh la team Aqua. Oh la team Aqua. La team Aqua alors qu'on a un légendaire électrique. Est-ce qu'on voit venir ce qui va se passer ou pas? Je pense qu'Ananas va vite évoluer. Salut Kéferan! Bon Kéferan, faut que j'aille te récupérer encore. Bah écoute, ça va tranquille depuis samedi, c'est plutôt cool. Ouais, non, j'ai un petit peu eu un souci. Un souci, j'ai nommé. Je l'ai envoyé contre un mauvais Pokémon. J'ai envoyé le Ptera à ton nom contre un Pokémon où j'aurais pas dû et ça a fait crotch. Mais en même temps, si pour mon excuse, Giovanni et le gros Pokémon qui le gardait. On détruit le reste de la team. Donc en fait, il me reste 3 Pokémon valables actuellement, donc c'est top. Ah bah ton Pokémon pour être croustillant, je pense qu'on pouvait pas faire plus. En plus, il s'est fait bouffer par un Arbok. C'est un peu ça.
Bon là, la team Aqua, je pense que ça va être une facilité déconcertante pour Zeus par contre. Parce que je veux dire, il n'y a pas un Pokémon qu'ils envoient où on n'a pas la le counter par avec Zeus. Ah si, ça j'ai pas. Allez hop. Même quand j'ai pas, en fait, j'ai. Hop, alors Charcot s'empoisonner, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose pour ça par contre. Voilà, alors, bon, bah on va tester en haut. Y'a quoi en haut? Ah ouais, non mais. Mais comment vous voulez que je sache où je vais? Si on me dit que j'ai trouvé directement, je pète un câble. Non, ok, j'ai pas du tout trouvé directement. Ok, là je suis bon. Ok, on est bon toujours. Hop là, voilà. Du coup, Léviator, il a quel... Il a intimidation? Ok. Je préférais impudence, mais bon. Alors, non. Je veux pas. Voilà. Ok. Ok. Et ok, c'est sorti. Quel talent. Le hasard est avec moi, tout va bien. Par contre, Zeus est vraiment on fire, hein. Bah, j'ai envie de dire tant mieux Ananas, hein, si je peux au moins te permettre de te distraire en attendant et tout, c'est un peu l'objectif. Hein. Comment qu'elle va, mini monstre? Elle pète la forme carrément. Je suis retourné au point de départ. Je suis retourné au point de départ, tout va bien. Non mais ça, la convertir à Pokémon, c'était facile. Alors qu'un reliquant sauvage est apparu dans le chat pour ceux et celles qui le désirent. Je sais pas du tout où je vais, mais c'est pas grave. D'accord, je suis encore revenu. C'est point d'exclamation, Pokéshop
Et après, voilà, tu mets Pokéball, et si tu veux une Pokéball, bah tu auras une Pokéball. Après, tu peux mettre un chiffre, par exemple, pour en avoir plus. Non, c'était pas là. Oui, pardon, mon chaton. Mon chat, elle déteste quand j'éternue. Après, miaule en boucle. C'est un simularbre. Simularbre, simularbre. Est-ce qu'on le défonce pas, simularbre? Avec Dairizzy. Mais oui, calme-toi. Excusez-moi, j'ai un chaton qui râle derrière. Elle aime vraiment pas quand j'éternue, du coup je suis obligé de la papouiller. Voilà. Wouh, j'ai chopé le... Ananas, c'est officiellement ton premier échec et c'est un Pokémon rare en plus. Mouahahaha. Bon, pourquoi tu causes toi? Tu veux venir? Viens dire bonjour aux gens. Bon, si vous entendez des ronrons dans le micro, c'est normal. Elle a tendance à faire des petits bruits. Allez, Simularbre, let's go! Simularbre en plus qui est le premier Pokémon un peu bourrin qu'on ait affronté. Hein. Ouch, la lame de roc. Mais bon, Dairizzy quoi. Dairizzy is on fire! Quoi, tu pensais que t'allais avoir la chance tout du long, Ananas, à choper tous les Pokémon? Bon, t'arrêtes d'essayer de manger les arbres, toi? Tiens, mets-toi là-haut. C'est vrai qu'il va avoir Kyogre, lui. Bon, tu fais quoi toi? Grayena, c'est géré. Nostanfer, c'est géré. Sais que tu m'empêches un peu de jouer là? Allez, va te mettre dans ton panier. J'ai un chat sur le dos. Tu peux pas t'empêcher de monter sur moi, toi, hein. Allez, Charcos, il est très efficace aussi quand même. Arrête tes conneries, Chacha. Voilà, mets-toi sur mes genoux et arrête d'essayer de passer. Non, il n'y a pas la place. Tout, va falloir défoncer celui-là. Hein.
elle a bon goût en vrai, hein. Pyrobut et le Goupix d'Alola, elle a vraiment bon goût. Ouais, ça c'est fait. Non, Dairizi 6! Tu serais pas un petit peu en train de t'envoyer des fleurs pour dire que si elle a bon goût, c'est uniquement grâce à toi? Même si apparemment, réussir à capturer Kyrios. En fait, ce qui est marrant, c'est que les 4 leaders des teams là, t'as l'impression qu'ils sont tous avec le big boss qui les domine juste pour une seule raison, c'est être en mode bah vas-y, fais ce que je veux. On a bien vu un chat sauter derrière moi, j'ai pas rêvé, hein. Oui, c'est ça. Elle est en train d'essayer de choper la. Oh, mais quelle est con. Ce chat me fatigue. Bazara, viens chercher ton chat, s'il te plaît. De quoi? Bien sûr, à quoi, Ananas? À mon chat qui saute dans tous les sens ou à ta fille? C'est marrant parce que je la vois dans le retour caméra en train de sauter pour essayer de choper la petite lumière de la. Enfin la petite bouboule de la lampe. Et je la vois, je l'entends se casser la gueule en fait. Je vous jure, ce chaton me fatigue. Allez, Dairizi 7. Hop, et on va rechercher un Kefferan. Hop là. Ah, j'ai plus de vieille ambre, sérieusement? Non! Faut que tu mettes un espace entre 5 et c'est poké. En fait, faut que tu mettes Pokéshop, Pokéball, 5. Tiens, regarde, ananas, c'est point d'exclamation. Poké. Shop Pokéball 5. En fait, le chiffre vient après. Ah, t'as peut-être pas 1500. Pour voir, c'est point d'exclamation Poké passe comme ça. C'est comme ça que tu vois ta thune, point d'exclamation, Poképass. 1200. Tu as.
Il n'y avait pas des trucs dans cette grotte. Non, il n'y a rien. Oh, sérieusement, j'ai plus de vieille ambre. Je peux plus faire un Tera pour avoir un Kefiran solide. Oh, les sommes. Mais pareil, j'ai toujours pas de canne à pêche, hein. Faut que je me retrouve une petite grotte. Ça, c'est la route 2 du tout début, qui était bloquée par des arbres et tout. Ah, je peux toujours pas surfer, ça c'est dommage. Est-ce que j'ai pas une repousse qui reste quelque part? Objet rare, non, favori, objet. Ouais, max repousse, parfait. Que je puisse tracer au milieu de tout ça. Hein. Mérylite. Mérylite, il y avait des grottes dans mes souvenirs. Bon, c'est pas trop ce qu'on veut comme objet, mais... Ouais, j'ai tout déterré, c'est bien, mais il n'y a rien d'intéressant. Ouais, je sais, je vais y arriver, mais je cherche juste un vieil ambre en fait. Ah, un fossile, c'est lequel? J'arrive même pas à savoir c'est lequel celui-là, tiens. Si quelqu'un était doué en fossile et veut bien me dire ce que c'est que ce truc, je veux bien. Fossile griffe. La griffe, c'est Armaldo. Alors qu'un Sorboul est apparu dans le chat, un petit Pokémon glace. Ah, enfin un fossile, ok. Qu'est-ce que ça va être? Ah, c'est encore un Armaldo, ça.
Ah là, une ambre. Un ptera, juste là. Parfait. Kéferan, tu vas revenir à la vie. Oui. Ah, dommage pour la pierre soleil. Oh là là, c'est pas trop tôt. Par contre, il y avait un étage, c'est vrai, on n'avait jamais été. Ah, j'en ai pas 8, j'en ai 7. Démite. Bien joué, Ananas. Tu n'as pas failli à ta réputation, encore une fois, un Pokémon attrapé, bien joué. Allez, on va obtenir le Ptera à Sandstone. Parce que c'est pas qu'on le voulait celui-là, mais quand même on le voulait. Comment ça, je possède pas de vieille ombre? Je viens d'en obtenir un. Mais Ananas, j'ai pas rêvé, moi j'avais une vieille ambre là il y a quelques instants. Mais je suis fou. Il me semblait oui qu'elle était bien extraite. Un peu, ouais, Kéferan, comme tu dis. Parce que je l'avais là, la vieille ambre, alors pourquoi est-ce qu'ils m'ont dit finalement non? Ça fait un petit peu, hé, hey, je veux acheter ça. Non, t'es moche. Enfin, c'est violent, quoi. Ah, vas-y, cette zone, elle va me foutre le seum, faut que je mette une repousse. Dans cette zone, il y a trop de bons Pokémon à choper. Va falloir que je mette une repousse, sinon je vais m'énerver. Ah, tu vas me dire qu'il n'y a plus de... Si. Bah c'est ça, déjà tout ce qui est poussifeu et tout, enfin j'ai vraiment le seum de pas les avoir eus à la base. Dis-toi, je crois, enfin je vais remettre le Pokévoyeur après, mais le Pokémon que j'aurais dû avoir dans cette zone et qui est mort bêtement, c'était un Fantominus, je crois, dans mes souvenirs. Qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai des objets, je savais même pas qu'ils existaient là.
Le mur c'est FSC, fossile dragon, lume argile et bleu. Ah, c'était une lume argile, d'accord. Je me souviens plus si dans la salle du petit vieux il y avait des. Non, il y avait juste la championne d'arène qui nous attendait. Parce que ça, ici, c'est la zone de la première arène. Donc ouais, autant dire que... Ah non, tiens, je voulais vous montrer avec le Pokévoyeur. Pourquoi est-ce que ici j'ai toujours le seum. Voici les Pokémon disponibles dans cette zone. Sans mentir, à part le Tanmorv. Bah non, c'est ça. Ici, j'ai pas eu un Fantomimikyu, j'ai eu un Tanmorv justement. Je veux dire, j'arrive, je vois le Pokévoyeur, je suis on fire, en mode, oh ça va être trop bien, j'ai un tas de morts. Je suis en mode, bon bah. Mais de toute façon, les zones du début, il y avait des Pokémon de folie. Dragon oiseau, ça donne qui déjà? Dragon poisson, c'était un Nidragon. Ah bah voilà, j'ai 8 dragons. Poisson, ça doit être glagla machin là. Hydragla, c'est ça. Galvagon. Ouais, mais je l'ai pas de Galvagon, je crois. Ça, c'est pour avoir un autre Cranidos en stock. Non, je possède pas de vieille ambre. Ça commence à m'agacer. Kefferan, est-ce que ça te dérange si tu changes de fossile en cours de route à chaque fois ou pas? Non, au contraire. Si soudainement tu deviens un anorif, qu'est-ce qu'on en dit? Que ça te va? Oh là là. C'était Kefferan 5 du coup. Ce qui est marrant, c'est que dans la boîte plus tard, on va voir des Kefferan, il y en aura eu presque plus que des Dairizi. Pourquoi j'ai mis un H là, je ne sais pas. Hop. Mais l'avantage de Kefferan, c'est qu'à chaque fois, ils sont tous différents. C'est ça, c'était réincarnation à chaque fois. Ok. Bon, j'ai deux Pokémon viables. Et le reste, non. Il va falloir que je m'entraîne un peu. J'ai vraiment choisi le pire pour m'entraîner, je suis en train de me dire. Ok, il me touchera pas, tout va bien.
petit psy coup de boule dans tes dents. Ouch! Un carmache, un fracasse-tête dans ses dents, et on n'en parle plus. Fracasse-tête, c'est vraiment beaucoup trop violent. Bah ouais, mais en plus, Fracassette, vraiment... Tu sais quoi, Kefferan, ton itération numéro 6, ça sera la réincarnation en Charcos aussi, si jamais. Parce que, je vais pas mentir, Charcos, c'est tellement violent. Son talent de coup tête de roc, ça permet qu'il est immunisé aux capacités, tu sais, qui font des contre-coups comme Bélier, Fracassette, etc. Et quand tu regardes Fracassette, justement, 152 pouvoirs, normalement, tu te mets la moitié des dégâts. Bah là tu prends rien du tout. Du coup il met des coups de tête, coups de tête, coups de tête, coups de tête. Ouais, le design je peux comprendre. C'est pas une question d'être positif, négatif. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas de bonne ou mauvaise position en réalité. Je vois ça comme des opportunités. Allez, il me reste en bas à droite à faire. La team magma. La team magma, la team magma. Je suis en train de me dire que c'est peut-être Charcos qui va se la faire, la team magma. Et que Charcos, on peut lui prendre ça, il en a plus besoin. Et on va lui mettre un objet un peu plus utile, tout comme une pierre dure par exemple. Et est-ce que j'ai des PP plus, tiens? C'est ça que je voulais acheter à une époque. Non, j'en ai pas un. Bon, ok, il a peut-être pas la réponse à tous les problèmes. Oui, dans ce Draco, 1000 fois. C'est plus simple sur PC. Alors, bon. C'était pas une de mes meilleures idées finalement. Ah ouais, je reçois tes chats si vite que ça par rapport au téléphone? Je savais pas qu'il y avait une latence aussi élevée entre les deux. Ok. Ah, c'est bon à savoir. Alors qu'un Charthor sauvage apparaît pile poil quand on va se faire la team magma. Moi je dis, le jeu nous observe, hein. Allez, Kefferan évolue! Et petit Kefferan devient gros Armaldo! Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il a comme talent du coup?
Oh, il a armure baston. Mais oui, mon petit Kefferan. Mais il est beau. Regardez-moi ça, comme il est beau. Tranche, plaie, croix, éclat de griffe. Et abri. C'est pas si mal que ça, en vrai. Il a quoi comme double type? Déjà, roche insecte. C'est pas mal, en vrai. Ah, Chartor s'est échappé. Sérieusement? J'ai raté le coup double à 100% de précision. Tu m'expliques comment? Aïe. Dairizzy, elle prend cher hein, depuis le début. Demitz. Ouais, non, je vais pas faire le malin longtemps avec la Tellurie Force face à moi. Ah mais sérieux, Ananas, réussis tes attaques là. Il y a des moments où on peut pas se permettre d'échouer. Tristesse pour le Chartor, ouais bah ça arrive hein. Bah ça va, tu comprends ce que c'est que de rater un petit peu aussi. Regarde, imagine ce Nosferalto qui d'un coup se pointe et se prend un coup de boule d'un T-Rex. T'imagines, c'est beaucoup plus grave dans la vie. Tu sais pourquoi t'as pas une tonne de thunes? C'est parce que tu restes pas assez sur mes lives. Truc qui a pas de rapport. Enfin si, c'est un rapport, mais... Je suis sûr, tu vois, que Kefferan, il est blindé de thunes en réalité. Parce que des fois, je le vois, il se met en furtif. Ah non, mais tu sais, regarde, il y en a beaucoup qui se mettent en... Je vois Zelda, ou même Bazara, regarde, Bazara, techniquement, là, elle est présente sur le live. Mais c'est juste que vu qu'elle est en train de bosser, elle a juste lancé le live dans son coin pour gagner des thunes, pour être prête pour le jeu Pokémon plus tard. Mais tu vois, il n'y a pas de... Je le sais, hein, y a beaucoup de gens qui font ça. Là, tu vois, il y a aussi Lurks, il y a aussi Mister, je vois, il y a Bazara, enfin, il y a du monde qui est connecté. Ouais, mais en même temps, elle regarde parce qu'elle adore les Pokémon, c'est normal. Bon, ça veut dire juste qu'il faut que je surveille mon langage. Hop là, le niveau 49 pour Ananas. Oh non! Bim, le fracasse-tête! Oh,
Ah mais moi je vais continuer à faire du fracasse-tête, hein. Tant que ça marche, on prend. Hein. Par contre, faut que j'aille acheter des PP+. Parce que le fracasse-tête est vraiment très violent comme attaque. Et le fait que j'en ai que 5, ça me restreint vachement. Oh là 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 là, mais non, trop de téléporteurs. Sérieux, faut que je recommence tout? Bon, c'était pas tout à gauche, allez. Mais les téléporteurs comme ça rend fou. Je suis désolé, mais moi ça me rend fou. Allez, le deuxième. C'était pas celui-là non plus. Par contre, je suis en train de me dire, pour le développeur, ça a dû être tellement embêtant et relou à coder un truc comme ça avec des téléporteurs. Bah, quand tu es sur ta page sur Twitch, là, tu as un onglet en haut à gauche avec deux petites épées qui se croisent comme ça. Tu dois d'abord construire ton équipe. Et après, tu peux aller faire des combats. Tu fais des combats casual ou ranked. Bah, les deux petites épées qui se croisent. Et après, tu lances soit un combat casu, soit un combat avec classement. Oui, j'y suis. Et c'est un Elex Sprint. Un Elex Sprint. Je suis en train de me dire, il pourra pas toucher Kieferan, l'Elex Sprint. Je vais quand même, au cas où, mettre... T'as pas les épées qui se croisent en haut sur le truc dispo? C'est chelou. Attends, bouge pas. Je vais regarder tout de suite. Alors... On va peut-être faire bouger un petit peu des trucs, mais c'est pas grave. T'as une épée. Pardon, c'est pas... Tu vois, t'as la grosse Pokéball au centre. Le PC tout à gauche, le petit sac et l'épée toute seule. Et quand tu te mets dessus, ça fait une multi-épée. Je sais pas si tu l'as. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux essayer de... hop. Non, je peux pas. Attends, je vais ajouter une source capture d'écran. Alors ça va être un peu moche 2 secondes, mais tiens, là, ici, je sais pas si tu le vois à l'écran, c'est le Battle Search, ça s'appelle. Tu vois tous tes Pokémon ici, t'as le PC, le petit sac et l'épée. Oh là là, c'est moche ça. Allez hop, supprimer. Bon, moi je vais me taper l'Elex Sprint. Tu peux pas faire de combat? Mais oui, mais est-ce que t'es resté appuyé sur, ou fait un clic gauche pour envoyer tes Pokémon dans cette page-là? Parce que faut les envoyer, les Pokémon, dans la page. Ah là 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 là. C'est bon? Nickel. Attends, l'Elex Sprint il a turbo plus.
plus des reflets, ça va être le bordel. Le combat de l'enfer. En termes de vitesse, tu dois rien voir en tant qu'être humain sur deux Pokémon ultra rapides comme ça. Mais bon, c'est passé, encore une fois, Zeus tout seul. Par contre, le Pokémon qui est après... Est-ce que je laisse Charcos ? Ouais, hein, je pense que je vais laisser Zeus et Charcos. Bien remis. Oui, bah écoute, c'était pas non plus la mort absolue dans l'ensemble. Ça a été un peu long à rentrer, mais... On est rentré juste avant le coucher du soleil, donc c'était nickel. Non, mais Ananas, c'est réunion du bureau de Lutetia. Parce que je suis au bureau de Lutetia, la Crimae, l'air de rien. Non. Non, au contraire, elle vous a bien kiffé. Elle avait peur que vous la jugiez un petit peu parce qu'elle était KO technique et que voilà, mais... C'est gentil. Elle est adorable. Allez hop, les combos. Et après, vu ce qu'il reste à Dracaufeu, une mâchouille suffit. Et lui, on lui met un fracasse-tête dans les dents. Non, non, j'ai raté le fracasse-tête, sérieusement. Et oui, j'ai plus de PP maintenant. Oh là là. Ouf. Oh, ça va être chaud pour Charcos, par contre. Qu'il arrête de rater Charcos, c'est plus possible là. Surtout qu'on va avoir Groudon qui va arriver là, ça va pas être la même... Ah non, ils ont pas envoyé Groudon. Oh bah ça va. Si on se prend pas Groudon, tout va bien. C'est fini le combat. Allez. Ah bah votre plan peut peut-être pas échouer, mais j'ai tué toute la base. Faut juste presser le bouton derrière moi. Bon, et sincèrement, ça nous a pris 1h15 pour tuer la base. Hein. Ça y est, la porte elle est ouverte, on va soigner l'équipe. Je vais peut-être acheter des PP+, alors qu'un petit ravi sauvage est apparu dans le chat. Petit ravi, Pokémon porte-bonheur. Qui évolue en Levenard. Je vais juste aller choper mon téléphone vite fait, j'arrive. Que je suis étonné de... Ah, j'ai vu le message de Dairizy qui dit que malheureusement elle peut pas venir, son Twitch plante totalement.
Bon, là, on va devoir se farcir les big boss quand même, hein. Avec 5 Pokémon, j'espère que ça va suffire de se faire les big boss. Et bah tu sais quoi, il est à nouveau dans ta team, donc tu commences à m'agacer, Ananas. Pourquoi je suis le seul qui le chope pas, sérieux? Bien joué, Kefferan, bien joué, Ananas. Oh là 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 là. J'ai pas acheté mes PP+. J'ai pas acheté mes PP+. Je reviens. Qu'est-ce qui est long ce couloir aussi. Et encore, je suis en train de courir. Qu'est-ce que ça aurait été long sinon. Ok, voici le mole. Alors toi, tu vends quoi? Hyper Ball, ce qui est anti-dodge, je m'en fiche. Toi, tu vends quoi? Des pierres et des poupées, ok. Toi, tu vends quoi? Ah, bah voilà, PV+, PP Max, augmente les PP Max d'une capacité, il m'en faut... Ah, je peux pas en acheter beaucoup, j'en ai acheté 5. Ça coûte tellement cher, les PP+. Allez, je suis au max pour ça. Zeus, je vais lui augmenter ses attaques aussi, parce que Vampipoint, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, mais ça les met directement au maximum. Oh, c'est propre. Ah oui, non, c'est bien mieux que ce que je pensais, en fait. C'est... ça coûte cher, mais je comprends pourquoi finalement. Je pensais que c'était comme un... Ah oui, non, c'est pas un PP+, c'est un PP max. Oh. Allez, regardons ce qu'on peut mettre à Kefferan. Je suis en train de me dire qu'on lui a pas mis de nouvelles attaques. Voyons voir. Déjà, Tayad, ça va être une obligation. À la place de quoi? À la place de tranche, hein. Ensuite, anti-air, oui. Roche, c'est stabé. À la place d'éclat de griffe. Ah, pouvoir antique, ça aurait pu être sympa aussi. Mais bon. Non, c'est bon, ça suffira. Ah, peut-être griffe acier si à la place de. À la place de plaie croix. Et je garde l'abri. Comme ça sera pas mal. Vas-y, on a des Pokémon boostés, ça m'a coûté les trois quarts de mes sous, mais c'est pas grave. Alors comme ça, c'est toi, Wiza. Pillar pour qu'il fasse revenir Giratina. Sérieusement? Ok, Dylan, c'est le leader de la Team Steam, c'est ça. En fait, il y a dans l'organigramme, Dylan, c'est lui qui chapeaute la Team Aqua, Magma, Rocket et Plasma en même temps. Non, c'est Galaxy, c'est pas Plasma.
Donc c'est le leader des 4 teams et au-dessus de lui encore il y a le président. Ah, il a tout calculé depuis ma note défaite. Non mais ça va être fun hein. Allez, c'est parti pour un des gros big boss de la fin. Du coup, on est sur le numéro 2 de la grosse team. Hein. Donc là, à mon avis, ça va être violent. Le mec, il a Dialga, quoi. Enfin... Oui. Ok, Dialga et Palkia, ils vont être invoqués déjà. Ah, le fait qu'ils invoquent Dialga et Palkia, va y avoir Giratina au centre, c'est ça? Eh ouais, voilà, on va se taper Giratina maintenant. Eh, hey, par contre, Dialga et Palkia sont dans la nature, ça veut dire? What? Attends, il va falloir qu'on aille se taper le monde distorsion? Ça va être folklorique s'il faut qu'on aille se farcir le monde distorsion. Ah, vous êtes mignon, il faut que j'y arrive avant lui. Attends, mais elle a fermé Bazara, mais j'ai un chat avec moi. Voilà. Avant que la chatoune devienne totalement folle. Alors, déjà, premier truc, si on va dans le monde distorsion. Est-ce que j'ai des... Hyper Ball, j'en ai 9. Super Ball, j'en ai 5. Let's go. Allez, let's go. Hein. Le petit monde distorsion sympathique comme tout. Ok, bon bah allez, on va d'abord en haut. Je sais pas ce qu'il y a en haut, mais on va y aller. Tiens, je me demande, est-ce qu'il y a des Pokémon dans la zone distorsion? Ça serait drôle en vrai, qu'on puisse choper des Pokémon ici. Non, il n'y en a aucun. Allez, on va en bas. C'est quoi ça? C'était un portail de téléportation. Ouais, du coup, il n'y a que Giratina, mais je me demande si on va pouvoir le choper ou pas. Tu sais, tu vois, je sais pas si on peut l'attraper ou si ça va être comme tous les gros Pokémon boostés aux hormones là, ou si ça va être un boss à point de vie. Ah, c'est clair que si on peut le choper, ça me ferait un légendaire, je vais pas dire non, tu vois. Et par contre, mon inquiétude, c'est à quel niveau il va être. Bon, par contre, je erre totalement au hasard. Hein. Le monde distorsion, je le connais pas du tout. J'ai la 4ème génération, c'est la seule que j'ai pas faite. Parce que c'était les cartouches de mon petit frère, et du coup je lui ai laissé, et moi j'avais poncé la 3ème génération de fond en comble. Parce que Groudon reste un de mes Pokémon préférés. Ouais, il paraît, mais bon, je l'ai pas fait. Voilà, en fait, j'avais hésité à m'en prendre un lorsqu'il y a eu les remakes, et après j'ai vu que c'était des chibis tout nuls. J'ai fait bon, bah tant pis. Ils m'ont dégoûté, et puis. Je sais pas du tout où je vais. J'ai l'impression à la fois de tourner en rond et en même temps non, parce que on fait genre des trucs.
différent à chaque fois. Ah ouais, la version chibi, ça passe. Mais c'est immense le monde distorsion en fait. Comment peut y avoir aucun Pokémon là-dedans quoi? Par contre, la musique est stylée. C'est pas la meilleure musique de Pokémon, mais elle est pas mal, hein. Ah, je pense que là on atterrit sur un truc parce que c'est un changement de style de décor en dessous. Ouais. Ok. Ah, ça va être un petit slalom là-dedans. Ok. Je sais pas où je vais. Ananas, tu me confirmes que plus il y a de plantes comme ça, mieux c'est? Comme, enfin, c'est bon signe, on avance ou pas? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'être en train d'avancer dans le jeu là. Ah bah, je pense que c'était ça. Ouais, faut que je le défonce. Bon, je vais l'affronter, j'ai même pas 5 Pokémon viables en combat. Ah, Rhinastock pour commencer en plus. Il est niveau combien? 54. Non, il va me défoncer. Ok, et de 1. Rhinastock, ça me fait vraiment peur parce qu'il y a des Pokémon de malade. Oh non! Le point éclair qui sort de nulle part! Bon bah Ananas Power ça a pas duré longtemps. Oh mais vas-y, en plus je rate mes attaques, mais non. C'est ça le Dracolosse! Mais je le veux! Il est tellement stylé! Oh, il va me tuer Zeus! Non, Zeus! Oh non, le Nuzlocke est quasiment fini. J'ai de quoi le ressusciter encore une fois. J'ai de quoi le ressusciter encore une fois, Zeus. Tout va bien à ce niveau-là. Ok, Charcos, il va falloir. J'allais dire, il va falloir assurer.
Il y a un endroit où tu peux, mais ça coûte ultra cher. En fait, j'ai un objet qui s'appelle des cendres sacrées, et il y a un mec, parce que je lui ai sauvé la vie, qui accepte de ressusciter mes Pokémon, mais c'est juste parce que je lui ai sauvé la vie, quoi. Et Charcos qui sauve! Charcos qui sauve le Nuzlocke à lui tout seul pour l'instant. Oh, damn it. Bon, il me reste deux Pokémon pour aller faire Giratina. Je peux pas aller faire Giratina dans ces conditions, très clairement. Je suppose que ça c'est retour à la case départ. Oui, parfait. Je vais ressortir, je vais. Je sais pas. Là, je vais pleurer un bon coup, je pense, déjà, pour commencer. Je vais foncer dans la forêt pour ressusciter mon Pokémon. C'était. Je crois que c'est Gravelotte. Ouais, c'est ça. Et on va mettre une repousse comme d'hab pour éviter les petits relous sur le trajet. Et surtout éviter le seum de croiser des bulles bizarres ou des trucs comme ça. Pareil, la cloche au plein milieu de la forêt. Je connais qu'un seul Pokémon qui s'appelle à l'aide d'une cloche au plein milieu d'une forêt. À côté d'un hôtel. Donc lui, dès que je sais comment l'invoquer, mais Celebi, il arrive direct. Ouais, ça doit être une quête annexe. J'ai pas assez d'argent. Il est en train de me dire que j'ai pas assez de thunes pour ressusciter mon Pokémon. Il va falloir que j'aille chercher de la thune. Heureusement que je connais un casino où je peux fermer de la thune. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour récupérer Zeus? Un Celebi shiny dans les fleurs. La légende. Faut que t'arrêtes de regarder ce fil d'ongle, hein, Ananas. Hein. Ça déteint sur toi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi, c'est Averut? Ouais, c'est ça. Il est l'heure de faire une razzia au casino. Bon, ça va être la phase un peu longue, je suis désolé, mais là je vais farmer de l'argent et des Pokémon.
y a moyen. N'empêche, Ananas, t'imagines si on pouvait avoir un pattern comme ça dans sur les machines à sous? Crois-moi, j'y vais tout le temps. Tu m'accompagnes, on est d'accord. Ah non, mais tu sais, un truc un peu caché. Money, money, money. Tiens, d'ailleurs, ça n'a presque rien à voir, mais tu sais, en ce moment, je suis en train de faire une petite étude personnelle sur les tickets à gratter. C'est très drôle. Je voulais voir, tu sais, si tu pouvais être, alors pas rentable, mais ce qui se passait quand tu dépensais 1 euro par jour dedans, dans les tickets, tu sais. Avec un petit tableau que je me suis fait je prends toujours le même ticket, dans le sens où je prends toujours le même jeu. Bah écoute, pour l'instant j'ai acheté 18 tickets, parce que au final j'en achète pas un tous les jours, mais bon voilà. Et sur les 18 tickets, pour l'instant je suis en négatif. Donc au début je voulais le faire genre pendant un an et voir à la fin, mais je me dis que le constat va être assez terrifiant. Quand je vois, je suis déjà à moins 6 actuellement. En 18 tickets, j'ai perdu 18 et gagné 12, donc je suis à moins 6 euros. Donc je pense que voilà. Après, j'ai pris peut-être un ticket qui rapporte pas. Du coup, là je l'ai fait avec ce qui s'appelle Goal. Ouais, non, ça va, mais. Je vais attendre, je vais peut-être faire. Genre, je vais faire 20 tickets. Ouais, c'est ça, c'est celui du foot. Et après, genre, je prendrai les bancos. Tu sais, à 1 euro. Et voir ce qui en sort. Et pareil, je ferai 20 tickets, etc. Après, je pense que c'est pas une bonne moyenne, certes. Parce que 20 tickets, ça fait pas assez pour avoir. Ouais, les bancos ils sont nuls. Bah, pour moi, à mon avis, je pense que tous les tickets. Mince. Je pense que tous les tickets à 1 euro sont nuls en fait. En vrai, je pense que tous les tickets à 1 euro sont pourris et sont faits pour te faire perdre. Astro, ça coûte pas 1 euro. C'est ça. Après, moi, c'était vraiment une étude sur ce à 1 euro. Tu sais que je fais avec la petite monnaie qui traîne après des courses ou quoi. Oh, 2 euros, vas-y, je le ferai peut-être. Bon, là, je pense que je vais avoir assez de thunes pour acheter pas mal de trucs. Du coup, tu prends quoi comme. Parce que c'est vrai que moi les astros je prends toujours le mien, comme d'hab. C'est normal, c'est important de s'aimer. Parce que je pense qu'on fait tout ça sur les astros, on prend tous notre signe à nous, logique. Ouais bah tu fais comme moi, c'est Gémeaux. Vas-y, non, je m'arrête à 15 000 jetons. Comme ça j'aurai de quoi aller chercher pas mal de trucs. Voilà. Alors déjà toi, donne-moi de l'argent. Voilà, 40 000. Ah ouais, ça te fait quand même une bonne moyenne. Non, les CT, j'en veux pas. Est-ce que ça vaut le coup de m'acheter un Levenard? Ouais, vas-y, je vais en prendre un. Oh, il a un objet. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il a l'Evolu Rock. Ouh, le petit tank défensif.
Ah, tu veux pas que j'aille récupérer un Léviator? Ok, ça marche, ça sera le Vénard. Et du coup, ça sera Ananas 4. En vrai, ça allait tellement vite de farmer les 999. La pauvre Dairizzy, elle a pas pu se connecter, elle va revenir. Elle va voir qu'on est à Dairizzy 8. Alors, hop. Ça. Je vais en faire une saloperie. Alors Vibra Soin, ça sert que en duo, du coup on va pas le mettre. Parce qu'on a quasiment pas de combat duo dans ce jeu. Par contre, Œufcoque. À la place de Bélier. Non, ça devrait aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Sac. Non, je voulais pas faire ça, je voulais faire Pokémon. Et que tu me. Ah oui, non, parce qu'il peut faire Ecoque naturellement. Oh, c'est cheaté. Les dégâts addi. Ah, les effets additionnels sont augmentés. Est-ce qu'il peut apprendre un truc genre tête de fer? Est-ce que déjà j'ai un truc avec effet additionnel? C'est bien pas tes nuggets. Il me faudrait une CT du genre toxique en fait, je suis en train de me dire. En attendant, je vais lui mettre une capacité de type fée. Et pour Dairizzy 8, je vais juste lui faire apprendre Cruel. À la place de coupe-vent, Taillade, on est bien, reflet, peut-être le garder du coup, reflet. Et surtout, fauchage. Pour avoir une chance de capturer des Pokémon. Bon, maintenant, j'ai des sous. Ouh, l'ectoplasma! Je vais même pas blaguer sur lui. Je vais même pas blaguer avec l'ectoplasma. Alors, est-ce que j'ai suffisamment de sous maintenant? Oui, c'est bon, 80 000. On va retourner à Gravelotte. Je vais aller ressusciter Zeus. Après, je retourne à River. Je vais choper Léviator rouge.
Attends, mais j'ai les restes. Yes. Pardon. I'm happy. Merci, merci, merci. C'est un honneur et un privilège d'avoir réussi à choper ce Pokémon. Allez, ressuscite mon Pokémon, s'il te plaît. Oui, Zeus est de retour parmi nous. Loué soit Zeus. Noise. Comme disait Monsieur Jack Peralta. Noise. Non, bon, plus besoin de répulsif, on est bien. Après, je sais pas si un Pokémon comme comme Karatrok pourrait être utile aussi ou pas. Parce qu'en vrai, c'est un gros placeur de hasard, etc. Mais pas sûr que j'en ai besoin actuellement, stratégiquement parlant, tu vois. Ouais, ça pourrait, mais tu vois, par rapport à d'autres Pokémon, il est moins utile dans mon effectif actuel. Ah, je l'ai raté. Oui, au pire, ça pourrait être un Pokémon sacrifiable, c'est vrai. Voilà, j'en ai 16, nickel. Ah mais pour que Ananas monte pour l'instant, faut que je lui donne le multi-ex. Je vais mettre les restes à Zeus. Faut qu'on aille farmer légèrement quand même un petit peu pour éviter que nos Pokémon remeurent bêtement. J'aimerais bien réussir à choper la canne aussi, ça m'énerve ça. Je regarde vite fait sur internet pour voir où est la canne. Ok, je crois que j'ai juste lu la premier truc. Non! Juste lu vite fait le premier article, je l'ai pas regardé en entier, mais je crois que je vois de qui on parle. L'image en fait m'a dit quelque chose. Il faut que je trouve un mec qui a perdu ses Zapaballs. Ah, le jeu plante. Mais non, ah. J'ai mon jeu qui plante. C'est bon. Alors, un mec sur la plage avec des cheveux un peu verts.
C'est forcément vers le bas du coup. Non, où est-ce qu'il est? Attends, je vais lire l'article parce que là, je sais pas où il est. Alors. Canne à pêche, voyons voir. Vous devez parler aux pêcheurs dans le parc sud de la ville de Ferry. Donc là, je suis à Ferry et le parc au sud. Il y a un pêcheur? Parce que le parc, on est d'accord que j'y étais. C'est ça. Ah oui, il y a un pêcheur là. Ok. Ah mais là, il y en a. Voilà. Oh, trop bien, j'ai la canne à pêche. Oh là là, ça va me changer la vie. Je vais pouvoir obtenir plein de Pokémon de zone. Il y a plein de zones en fait où je pouvais pas jusqu'à maintenant et là je vais pouvoir avoir des Pokémon en mettant notamment Dairizi devant pour aller pêcher avec fauchage. Sac. Normalement une Pokéball devrait suffire. Oh là là, ça va me remplir ma boîte. Ah, par contre, faut que j'aille le sortir de la boîte 14. C'est un peu la boîte où il y a tous les Pokémon morts, donc bon. Bien. Et du coup je peux aller à River aussi parce que je peux j'ai vu qu'il y avait de quoi pêcher à River. Normalement, j'ai cru voir. Il n'y avait pas une zone avec des petites bubules quelque part là? Ah non, j'ai rêvé. En fait, partout où il y a des petites bubules, on peut pêcher. Et du coup, c'est pour ça, dans chaque ville, il faut que je vérifie. Ça fait pas une nouvelle zone, la pêche. C'est pas ça, en fait. C'est que là, j'étais dans la ville de Ferry. Et du coup, j'ai pu pêcher parce que j'avais pas chopé de Pokémon en ville. C'est comme là, t'as cela. Tu vois, là, je peux pêcher. D'accord, donc dans la ville de Tasla, il y a un Wailord. Ça choque personne. La logique dans Pokémon, on est dans un petit lac dans une ville, il y a une baleine. Qui, selon le Pokédex, peut atteindre 40 mètres de long. Et alors, oui, non, d'accord. On est dans le monde de Pokémon, je me tais. Ce qui est bien, c'est que plus je vais attaquer, moins la giclée d'eau va faire de dégâts. Parce que giclée d'eau, c'est plus l'attaque marche,
plus tu as de PV et plus elle fait des dégâts. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Déjà, c'est pas un gamin, c'est un adulte. Parce qu'à 10 ans dans le monde de Pokémon, tu es considéré comme adulte. Et on t'envoie pas comme ça. C'est juste que bon, bah, on t'envoie comme ça, ok. Et pour ce qui est du braconnage, sincèrement, t'es mauvaise langue. C'est juste que t'assumes pas d'être esclavagiste de toi-même. N'empêche que j'ai chopé un Wailord. Ah oui, non, mais totalement. Poséidon. Non, non, je vais pas faire ça, je t'avoue. T'as eu des bonnes idées dans le passé, mais là, c'en est pas une. Tout simplement parce que Poséidon, je vais le garder pour un légendaire. Je vais le garder pour Kyogre. Bon, je rigole, hein, c'était une bonne idée en vrai, mais... non, non, mais je pense... en fait, les noms de dieux, j'aimerais bien les garder pour des légendaires. Parce que tu vois, tu m'as donné l'idée en appelant celui-là... Enfin, Dairizi m'a donné l'idée en appelant celui-là Zeus, et je trouve que c'est une trop bonne idée. Que les légendaires aient des noms de dieux, en fait. Surtout que je sais déjà où il y a un légendaire que je peux aller choper. Mais pour l'instant, ce qui me manque, c'est la possibilité de faire du surf. Mais dès que je peux surfer, je pourrai aller le chercher. Ce qui est quand même assez fou. On va pas se mentir. Ouais. Dis-moi, Ananas. Aucun. Wiza, c'est le dresseur. Regarde. C'est écrit sur ma carte d'identité. Non, bah non, je peux pas. En fait, si. Allez. Si jamais je réussis à choper un Ambrilex, ça sera mon main. Parce que j'avoue qu'Ambrilex, c'est toujours mon Pokémon préféré. Donc voilà. Mais le problème, c'est que l'Ambrilex, je l'ai raté. Donc. Mais je vais retourner dans toutes les villes. Maintenant, Sunstone aussi. J'ai vu, je me souviens, il y avait des petites bulles là. Si c'est intéressant, je chope. À moins que je puisse pas l'avoir parce que j'ai déjà eu des... Oh si, je peux l'avoir en plus. Oh là 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 là. Alors qu'un hirondelle sauvage apparaît juste après la capture d'un Milobélus. Oh là là, la canne à pêche, comment ça va changer ma vie? Ah, t'as plus de bol. Après, est-ce que Milobélus serait pas meilleur que Léviator? C'est pas le même style de Pokémon. Milobélus est plus sur le spécial alors que Léviator est sur le physique. Ouais. Je vais juste voir si je peux choper avec la canne à pêche en infini, entre guillemets. Ou s'il me le permet pas. Ouais, c'est ça, j'ai déjà rencontré un Pokémon dans cette zone. Ok. Donc voilà, j'ai le droit au premier Pokémon dans chaque ville. Ça compte comme une zone. Bombe œuf. Oh, bien joué encore une fois, Ananas.
Bombe œuf, ça va être mieux qu'éclat magique. J'avoue que t'es en train de remplir le Pokédex à une vitesse, toi. Non, non. Hop. Non, j'ai dit. D'abord, on va enlever. ...1,11%, ah oui quand même. Normalement, oui, mais il faut faire des combats avec et tout, donc... Oh, trop bien. S'il est paralysé, etc. ou quoi, je monterai en défense à chaque fois. C'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attaque? J'ai cru voir des bonnes attaques. Hydroqueux, ça, c'est cool. Rune Protect, ok. Enroulement, c'est vraiment bien. Attraction, un peu bof, quand même. Juste, je me souviens plus, il est basé sur le... Attaque SP, hein. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup de défense spéciale, par contre. Lequel évolue... Ah oui, tu veux dire... Oui, oui, c'est ça. Oui, au niveau de base où ils évoluent normalement. Après, tu peux choper des Pokémon qui sont inférieurs et qui ont déjà évolué. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai un... Je crois que mon Ectoplasma, là, il est à faible niveau. Alors oui, mais si tu trouves comment on récupère des PV, je veux bien, parce que je ne sais pas. Et moi, mon Érissandre, il est quasiment évolué, mais j'ai pas de moyen de lui redonner des PV pour l'instant, donc ça me gonfle un peu. Ah bah d'accord. L'efficacité résumée en un geste. Allez, Milobellus, on va continuer à te stuff un petit peu. Ouais, après je suppose c'est ça, tu cliques sur ton Pokémon et tu utilises la potion. Oh, ok. Mais du coup, il faut forcément que je sois en live pour acheter des potions. Non, il suffit que j'aille dans un chat quelconque où il y a le bot actif. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait des petites rivières ou pas? Non, je crois pas. Hein. Dans le premier village, il n'y avait pas de petites flaques d'eau. Il y avait des baies, on va les prendre. C'est toujours bien, des baies. Mais non, qu'est-ce que je fais, moi? Boum boum boum, Gravelot en a fait titri, voyons voir. Parce qu'il y a des gars qui barbotent, mais est-ce qu'il y a de la... Est-ce qu'il y a de la poiscaille? Non. Je vais faire toutes les villes et on va essayer de choper des Pokémon. Ferry, on l'a. Oui, on l'a fait. Tyrol.
Tyrol, il n'y a personne. Erselt, je crois pas non. Ah si, Erselt, juste en face, parfait. Ouais, c'est un Staros, mais bon. Peut-être que je remette Daerysi en premier en vrai si je veux farmer. Parce que là j'ai l'air un peu bête à chaque fois à avoir, Zeus devant qui s'apprête à tuer tout ce qui bouge. Bon, pour l'instant, j'ai dépassé mes 2 heures, hein, mais pour l'instant, je vais continuer. Je veux pas de. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de restrictions avec la grève, j'avoue. Donc là, on est Erselt. Frozen, je crois pas qu'il y avait de. Ah, puis je me dis peut-être que Daerysi nous rejoindra, mais je pense pas. Hein. Elle a dépassé son heure. Non, tout ici est gelé, c'est vrai. Blanford. C'était en bord de mer ça normalement là par là. Voilà. Ah bah. En vrai, Léviator, si je le chope pas, c'est pas grave. Voilà. C'est bien, il va me nourrir en termes d'XP. Toi aussi, tu vas me nourrir en termes d'XP. Oh, le petit. Bien joué. Bien joué de sa part. En vrai. Ça m'énerve de le dire, mais il a vraiment bien joué son switch. Après, il me fait tellement rien et j'ai les restes. Du coup, voilà, je peux me permettre de le réveiller de cette manière. Ça c'est propre, ça c'est fait. Tranche nuit. En vrai, contre les Pokémon combat actuellement, j'ai rien. Donc non, je vais pas prendre tranche nuit parce que il faut que je garde cruel du coup. Ok, ça c'est fait. On retourne au centre Pokémon. Ah, Verud, je crois pas qu'il y ait de point d'eau. Ah bah si, juste là. Mais y a pas de Pokémon dedans, non. Il y a des villes comme ça où malheureusement il n'y a pas de Pokémon dans le point d'eau quoi. Je vais regarder quand est-ce que j'obtiens Surf.
Ok, bam bam bam. Ah, il n'y a pas de description de comment surfer. Ouais, c'est après la reine de Tesla, d'accord. Ouais, pour l'instant, on va pas pouvoir surfer, hein. Et je pense que j'ai fait toutes les zones où je pouvais rechoper des Pokémon. J'ai pas fait ton nom, tiens, mais je pense qu'il n'y en avait pas. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas de point d'eau ici avec des petites bulles. Surf, en fait, je peux l'obtenir. J'ai regardé la Solus là pour vérifier. Et en fait, c'est après avoir fait la 8ème arène. Bah, merde, oui et non, hein, dans le sens où j'y suis bientôt. Hein. Là, il suffit que je batte enfin, que je batte Giratina déjà pour commencer. Et dès que j'ai vaincu Giratina, j'ai l'arène. Donc j'en suis pas très très loin en vrai. J'ai pas quelqu'un à combattre ici. Y a toujours un mec à combattre dans chaque ville. Pourquoi à Virut y a pas? Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir Giratina dans cet état-là? On a une semi-équipe. On a deux Pokémon un peu bourrins et le reste qui peut pas suivre. Enfin, je vais peut-être y aller avec Charcos et mettre des gros coups de tête. Ouh, un persian sauvage, tiens. Ah, j'ai plus de bol. Poké shop. Ah ouais, tu veux y aller à l'ultra ball sur Persian, toi, carrément? Ce qui est bien, c'est que je reviens directement à Giratina, quoi. Oh, il est en forme. Il est en forme spectrale. Non, je pourrais pas le choper. Il a les points de vie apparents, ça veut dire que je peux pas l'attraper. Tant pis. Charcos, il l'a pas respecté! Charcosil n'a pas respecté Giratina. J'ai capturé Giratina juste avant que tu m'affrontes, ça veut dire que quoi que tu fasses, rien ne pourra m'empêcher de... Quoi? Yes, j'ai chopé le persian. Mon objectif est créé. Le président est la seule personne en qui j'ai confiance. Prenez la paix. Direction le Mont Légende. Attends, mais il y avait un trou là-bas. Non, je peux pas. Ça veut dire qu'il faut que j'aille au Mont Légende pour l'instant. Par contre, on est d'accord que Charcos, il a absolument pas respecté Giratina. Il l'a one shot.
Bah ouais, tant mieux, c'est clair. Bah du coup, on va faire la 8ème arène, hein. Elle est là, la 8ème arène. Les sbires d'élite, nous sommes battus globalement la dernière fois. Entraîné, tu vas rien pouvoir faire contre nous. Bah écoute. Ah, deux nos enfer. Moi je vois un mort et un mec qui va prendre un gros coup de tête. Ah, j'avoue, mur lumière, c'est pas mal aussi. Non, vas-y. Pour l'instant, je vais attendre. Hydrocanon, oui, par contre, pour Milobellus, clairement. À la place de Vibra, quoi. Aïe, 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 il l'a pas mis KO. Quatox, ok. Alors, on va faire changer clair sur Macogneur et un gros psy coup de boule sur Quatox. Charcos, il est vieux, il est vénère. Oh! Ananas évolue! Bah du coup, l'évolue rock, elle servira plus à rien. C'est pas grave, je vais lui mettre les restes. Ouais, bah oui, l'euphorie, c'est pour ça, t'inquiète. Par contre, j'ai raté mon attaque, sérieux? Non, mais oh! Je rate pas mes attaques, moi. Voilà. Je voulais mettre Kefferan dans le rythme de tuer un peu des gros Pokémon un peu balèzes. C'est une sorte de petit, comment dire? C'est un petit toc que j'ai, c'est-à-dire que pour moi, tant que le Pokémon n'a pas servi réellement au moins une fois en combat, il n'est pas utile. Et puis il n'a pas l'habitude de battre des gros ennemis. Du coup, il rate plus souvent, il est plus faible. C'est totalement faux, hein, mais c'est juste moi dans ma tête. Tant qu'il n'a pas combattu au moins une fois et été utile, ça sert à rien. Oui, je sais, voilà, c'est. C'est ridicule, mais c'est pas grave. J'assume mes tocs dans Pokémon, ok? De quoi stream la Switch? Oh, c'est le président! Damn it! Mais tu sais que j'ai un. C'est Bazara, elle me l'a offert à Noël là. J'attendais un petit peu, mais je vais bientôt le faire. Pour stream, je vais recommencer. Ouais, c'est super cool. Et je vais le recommencer de. Je vais faire violer de zéro en fait. Et puis je vais le stream intégralement ici. Et ça... Par contre, ça sera des lives plus longs. Ce sera pas des lives de 2h, 2h30. Ouais, bah Animal Crossing, t'aurais du monde en plus. Hein. Les gens adorent suivre du Animal Crossing. Allez, on va se faire le président. Disney aussi, c'est tout aussi chill, bah, c'est cool. Ah bah oui, forcément, on a progressé, mec. Allez, bon là il est en mode champion d'arène, du coup on va voir ce que ça va donner. Hippodocus, j'aime pas du tout.
Hypodocus, ça ne m'arrange pas. Parce que j'ai rien qui passe Hypodocus. Ah ouais, non, il a une team relou. Ah, il a une team grave relou. Ah non, Kefferan, non. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je vais essayer un point éclair en espérant qu'il switch pas. Ah non, Zeus. Aïe 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 aïe. Adieu, Kefferan. On ne t'oubliera pas. Attends, parce que Seism, Charcos, il y passe aussi. Ah ouais, non, mais vas-y. Parce que le problème, c'est qu'ils sont pas encore utiles, les autres. Ah, Charcot aussi va y passer. Ah, y a Myobelus qui fait pas le kill. Et Bastodion derrière, ben voyons. C'est la mouise. Ah, c'est vraiment la mouise. Ok. Ah oui, non, champ. Oh, ça passe. Oh mon dieu, ça passe de justesse. Non, ananas, non. Mais c'est quoi cette arène où ils ont tous ils ont tous ce séisme, quoi. Ça passe pas.
non, ça va pas passer. Bah oui, ça passe pas. La reine, elle est foutue. Oh non! Bon. C'est une défaite de Nuzlocke. Je vais faire. Ouais, je sais, j'ai tout cela, mais bon. Ce que je vais faire là, c'est que je vais sauvegarder maintenant. Parce que je vais aller manger. Parce que Bazara m'a appelé à manger il y a déjà un petit bout de temps. Qu'elle est patiente, mais quand même. On est quand même à 2h30 de live. Hein. Merci, l'ananas. J'essaye de voir. On se refait un truc dans l'après-midi, peut-être, on verra. Allez, on va sauvegarder là-dessus. Il va falloir que j'aille ressusciter Zeus encore une fois. Je vais aller farmer des sous. Je vais récupérer un autre Levenard. Je vais aller récupérer un autre Cisaiox. Je vais le farmer dans mon coin. Et après, on retournera botter des culs à l'arène. Allez, on re-sauvegarde pour la sécurité. Et hop, voilà. Allez, ciao tout le monde. Merci à tous et toutes d'être venus. C'était un plaisir de vous voir. Merci Ananas, merci Kefera, merci Mister que j'ai vu dans le fond. Merci Bazara également. Allez, ciao ciao, des bisous.